est très convoité. Pour éviter toute tentative pour entrer dans le palais pacifiquement ou violemment, il y a mis séparateur pour protéger. Parce que les nègres qui ont besoin d'entrer dans le palais. SGA a obligé de prendre des dispositions, des mesures stratégiques pour protéger la première institution du pays qui est la présidence. C'est pas le palais, non? La présidence. Pour entrer au palais national maintenant, il faut avoir l'autorisation spéciale du SG. Lionel Babouin. Personne et personne côté les Ariel Henry, côté les Ardouin Zéphirin, côté les Renal Libéris, côté les Rockefeller, côté les Léon Charles, quel que soit non ou pas 40 ans dedans, le SG, c'est le gardien légitime et légal du palais national. Sans autorisation, parler à pape qui t'ont entré, sont entrés de force, parler à guerre, lui recevoir l'ordre pour tirer sur tout le monde qui a entré en parler à de force. Je dis à ça qui intéresse, c'est justice pour Jovenel. Ça qui intéresse, c'est le désarmement des gangs. Bon, comment c'est tout d'abord pour me dire hier, t'es un conseil de gouvernement. Le conseil de gouvernement, tout le monde est là, y compris Rockefeller. Pendant le conseil là, t'as fait, il y a eu une intervention remarquable et remarquée du ministre des Affaires étrangères, Claude Joseph. Que je vais résumer pour nous. Il dit, il comprend la frustration du premier ministre Ariel Henry, que vous qualifiez de présumé assassin ou d'implication dans l'assassinat du président de la République, Jovenel Moïse. Assassinat lâche du président. Il dit que je suis intervenu, non pas comme ministre des Affaires étrangères, mais comme un ancien ministre, un ancien premier ministre qui a fait une expérience à la primature. Il dit, l'élite premier ministre, il y a des rumeurs qui t'ont circulé et des informations aux médias que les caracoles qui t'ont attaqué, qui dit qu'il était assassin, qui dit qu'il était participé à l'assassinat du président Jovenel Moïse. Et un pile de monde t'a joué sur les réseaux, et un pile de monde t'a dit que c'est assassin, un pile de monde t'a demandé pour le démissionner. Il dit que petite liac famine, ils ont toutes. Vous êtes en difficulté. Vous avez vécu ce moment de manière douloureuse. Vous êtes vilipendé à l'intérieur du pouvoir et à l'extérieur du pouvoir. Le DPM Ariel Henry, il faut éviter de réagir de manière émotionnelle. Parce que vous dites que vous n'êtes pas là avec Badiou, même si vous n'êtes pas là avec lui, même si vous n'êtes pas là avec lui. Ça veut dire lui-même. S'il n'a pas de force et de courage, les hôtels ont assassiné le président, lui-même, il a obligé de courir et quitter ça. Mais comme il connaît, il n'a pas fait rien, donc il était obligé de rester, et lui-même, il prend recul par rapport à ça. Donc, et il est très convoité pour éviter toute tentative pour entrer dans le palais pacifiquement ou violemment. Il y a mis séparateur pour protéger. Parce que les nègres qui ont besoin d'entrer dans le palais. SGA a obligé de prendre des dispositions, des mesures stratégiques pour protéger la première institution du pays qui est la présidence. C'est pas le palais, non? La présidence. Pour entrer au palais national maintenant, il faut avoir l'autorisation spéciale du SG. Lionel Babouin. Personne et personne côté les Ariel Henry, côté les Ardouin Zéphirin, côté les Renal Libéris, côté les Rockefeller, côté les Léon Charles, quel que soit non ou pas 40 ans dedans, le SG, c'est le gardien légitime et légal du palais national. Sans autorisation, parler à pape qui t'ont entré, sont entrés de force, parler à guerre, lui recevoir l'ordre pour tirer sur tout le monde qui a entré en dedans, parler à de force. Puis, nous montrer à PIA que nous diviser de l'intérieur. Comme un conflit entre président
entre le Premier ministre là, et le ministre de la Justice, là, que y a une commission qui monte, qui est la dernière, le ministre de l'Intérieur, ok, qui vient la donne, il va mettre tête la donne, il dit Premier ministre, ap la donne. Commission ça a gré avoir la donne. Commission ça a essayé de regarder ensemble qui gère au café pour harmoniser. C'est pas une image correcte de trois petites visions à l'intérieur. En pile, monde te saisi pour M. Grandi, M. Prend hauteur, parce que M. dit, image d'un profil là, c'est pas une image qui correcte. Les trois divisions à l'intérieur. J'ai pu passer tout le bowling, c'est ça? Yeah, oui, exactement. Black, Black God, Stanley. Mais, les Rockefeller ont parlé. Rockefeller, tu as une image, tu as une façon directe que tu as parlé. Il dit, lui-même, il va te faire évocation. Il met ses patates pour tout manger, pour tout manger patates. Ce qui était contraire à discours que et que et PM et que ministre affaires étrangères Claude Téguin. Donc malgré tout ça que dit, ok, et Claude finit parler, ministre était très content et il était demandé pour réfléchir donc sur possibilité d'harmonisation entre ministre. Ariel qui me positionne, il a annoncé quand même révocation dans bouche de ministre de la Justice là et révocation du secrétaire général du Conseil des ministres, Rinald Libéris. De l'huile sur le feu, comme on dit. Conspiration automatiquement l'intensifiée. Pont Ariel. Paul, proactif du camp de Jovenel, le concerté. Et Rinald Libéris, en colère, il a lancé résolument de la guerre pour obtenir la destitution, la démission ou le départ du PM Ariel Henry. Marco, où là? Je dis que mon dit que je vais mettre Marco au courant. Il va dire ça? Je dis mettre Marco au courant parce que j'aurais besoin d'aide quand même. Ok. C'est, depuis hier, c'est la guerre ouverte. C'est la guerre totale. Avec à la clé, PM n'a qu'accusé. Et équipe président qui mandait à commissaire gouvernement pour réagir rapidement parce que il faut une réponse rapide et automatique à l'insulte faite à Libéris et insulte faite également au ministre de la Justice et de la Sécurité publique, Profiler. C'est une tentative d'humiliation, on avait dit, interprétée par les proches de Jovenel ou les jovenelistes, et surtout à Libéris qui est considéré comme l'éminence grise du pouvoir, et pas oublier, Rinald Libéris, appelé avant la mort du président comme étant un vice-président. C'est un homme qui a agi sans limite, sans borne, et qui est même connu compte avec le président de la République. On rappelait, on te vous dit, depuis que Libéris a eu une discussion avec le monde, tout le monde a toujours dit dans le pays, il y a un monde qui a tombé. Et bien, je dis, pour ne pas reconnaître Libéris comme étant un plus gros chef après Jovenel qui était dans le pouvoir. Il fait le pousser, hein? Il fait le pousser. Jout, tu es même en discussion dans le Conseil des ministres avec Jout. Quand Jout, tu as dit, monsieur, ça casse un rôle de 10 bœufs là. Et Rinald, tu parles tout. Parce que Jout, tu es considéré, c'est président seulement que tu mettes. Ça me dégaine même comme argument, comme élément d'information. Il considère, c'est président que tu mettes, il pas prend en compte les partisans de Jovenel et les proches de Jovenel Moïse. Donc, Rinald Libéris représente l'idéologue de mouvement Jovenel là. Rien ne passera sans Libéris. Et si ce n'est pas un consensus, pas grand rien qu'à régler, parce que Libéris, c'est le fils légitime de mouvement Jovenel là, et c'est monsieur qui a mené mouvement Jovenel là. Donc, Ariel se doit de comprendre tout ça, et il faut l'allier, il faut faire alliance avec l'équipe de Jovenel Moïse, ce que j'ai toujours prêché.
Ah, si y en a que forme dit nous que Rockefeller a participé dans le conseil gouvernement. Et là, Rockefeller a fini de parler, le conseil gouvernement fini. Marco Val, Campagne, le conseil gouvernement fini, Walter. Faut machine munitions, parce que pas gain espace dans la primature. Faut machine munitions qui dehors monter pour passer pour prendre munitions. Machine Rockefeller, il était bloqué. Parce qu'après le conseil des ministres, il a annoncé que vous allez évoquer Rockefeller. Donc il fait machine dehors. Il faut Rockefeller descendre de la primature pour paraître dehors pour le faire. Ce qui a été un repère très grave, ce qui a été une tentative d'humiliation, et je crois que Ariel et les autres membres du personnel de la primature, les policiers, ils ont péché quand même quand un homme, c'est ministre, oui, il faut un minimum de respect, m'estimer ça. Et respect de tous côtés, hein, que ce soit du côté du Premier ministre, que ce soit du côté de Rockefeller. Ok? Mais Rockefeller, le ministre tentait de respecter ça, mais Rockefeller également, il n'a pas demandé à directeur général de la police là pour retirer tout policier qui n'en cortège PM. Ça veut dire gagner une débandade d'un côté comme de l'autre. C'est-à-dire, le directeur général de la police a été convoqué par le ministre. Et le ministre dit qu'il ne pouvait pas prendre l'ordre. Non, mais personne, sauf lui-même. Donc, de côté, Ariel a outrepassé Douane. Et de l'autre côté, le ministre Justice a outrepassé Douane. Autrement dit, ce ne sont pas des hommes d'État, des hommes qui ne maîtrisent pas le fonctionnement de l'institution ou d'une institution. Donc, d'un côté, il y en a fait bêtise, l'autre a répondu. Donc, nous voyons qui côté au palais. Donc, il a fallu l'intervention courageuse de Claude Joseph, une fois de plus. Claude mettait monsieur dans la machine et Claude sortit avec le dehors. Du dehors étant, là, monsieur montait la machine, monsieur relait le commissaire gouvernement, il dit mais ça se passe, et le commissaire gouvernement d'agir rapidement. Interdiction de départ pour Ariel Henry. Mais comment le pays a fonctionné? C'est-à-dire l'émotion totale. Dans ce cadre-là, je suis venu pour expliquer au pays qu'en fait, nous sommes dirigés par des amateurs et non des professionnels. C'est-à-dire nous n'avons pas besoin de ces gens au pouvoir pour nous diriger, même si à diriger nous, nous ne pouvons pas aller aucun côté. Que ce soit sa gombo sur légitimité, que ce soit Théâtre Jovenel longtemps, qui prend pour jeu comme si c'est eux qui mettent question, que ce soit qui était ministre, premier ministre, etc. Monsieur, vous êtes des gens très laids. Pas rien fait peuple après là, son bataille pour la conquête du pouvoir. Ça veut dire qu'il ne peut pas y avoir d'entente entre PM, Ariel, Henry et la frange politique du mouvement de Jovenel Moïse. C'est quand même, ça fait pitié. Pour des mouns qui se faisaient passer autrefois pour des techniciens, des intellectuels ou bien des politiciens, je dis, ah, mais maintenant ils sont en train de patauger de la bêtise. Et l'antiprofessionnel, bah, etc. Des mouns qui n'ont pas d'expérience de pouvoir. Et Captain Moon aidé, tout Captain Moon soutenu pour qu'il y ait pouvoir. Pourtant, là, il y a eu le pouvoir. C'était menti. Il était toujours bah, Jovenel. Dans la presse, l'homme fait analyse sur Jovenel. Il était toujours dit Jovenel m'a menti. Mais ça n'a pas dit. Ça m'a quoi dit. Ça m'a dit. Et Jovenel, qu'on est nous pour le dire nous. Mais ça a dit, nous dit, est-ce que c'est vrai? Père à son âme. Mais nous-mêmes, nous allons toucher dans mes Jovenel. Toujours revendiqué, tout dit ça, je venais les amis. Je venais sous passage, je rencontrais. Je venais et a fait combat, je venais. Donc, dans cette situation, événement, interdiction de départ, je vais être gâté. Pour le ministre de la Justice a convoqué Léon. Léon, pas qu'à aller. À la réunion. De grâce, PM, de grâce, ministre de la Justice. De grâce, Ariel. De grâce, Rockefeller. Laisser la police en dehors de cette lutte politique
parce que la police est apolitique. Pas venir mettre Léon pour Léon dit. Ou mandé Léon pour augmenter sécurité d'après ce que m'a dit l'international. Oui, parce que je suis à l'international, là, tout, je vais jouer ma main. Pour mettre sécurité pour Belfort. Belfort m'a dit sécurité ça longtemps. Bien avant, nous avons dit procédure qui est entamée contre Ariel. Rien n'a été fait. Donc, même si pas augmenter la capacité, mais il faut mettre les gens dans le paquet. Mais en même temps, je dis, ou pas qu'à Mandel, pour augmenter la capacité et la sécurité dans le paquet, pour ne pas prendre l'ordre, non mais Ariel, et puis pour vous-même, vous venez diriger. Mais très convoité. Pour éviter toute tentative pour entrer dans le palais pacifiquement ou violemment, il y a mes séparateurs pour protéger. Parce que les nègres qui ont besoin d'entrer dans le palais. SGA a obligé de prendre des dispositions, des mesures stratégiques pour protéger la première institution du pays qui est la présidence. C'est pas le palais, non? La présidence. Pour entrer au palais national maintenant, il faut avoir l'autorisation spéciale du SG. Lionel Babouin. Personne et personne côté les Ariel Henry. Côté les Ardouin Zéphirin. Côté les Renal Libéris. Côté les Rockefeller. Côté les Léon Charles. Quel que soit non ou pas 40 ans dedans, le SG, c'est le gardien légitime et légal du palais national. Sans autorisation, parler à pape qui sont entrés de force, parler à guerrer, lui recevoir l'ordre pour tirer sur tout le monde qui a entré en parler à de force. Tout ça, oui. C'est pas si mal qu'à passer, non? C'est la lutte. Parler à 1500 policiers, à d'un environ. Tout policier, ça, recevoir l'ordre pour tirer sur tout ça qui a bougé. Depuis cette bourgeois a bougé, il faut tirer sur lui. Bon danger, je vous dis, monsieur. Yo mandé Léon Charles attaquer Ariel, Léon Nanzin. Yo mandé Léon Charles pas occuper ministre justice là. Attaquer ministre justice là, Léon Nanzin. Yo mandé augmenter capacité de sécurité pour commissaire du gouvernement, Léon Nanzin. Donc, je vous dis, faut que vous quittez la police là. Battant entre PM, commissaire gouvernement et Ariel. Il n'y a pas qu'à finir la police comme ça. Donc, moi-même, je pense qu'il y a un. Faut que vous épargniez la police nationale. Mais il y a un fait, faut me dire, c'est qu'on est en train de diminuer la capacité du Premier ministre. Avait dit, il a détruit le Premier ministre. Il a mis en situation pour ne pas même qu'à diriger. L'équipe de Rénal a travaillé dur pour voir si on est capable de jeter Ariel, à tort ou à raison. Mais pour aller où? Moi, pas quoi l'équipe Jovenel là qui a pris le pouvoir encore. Moi, quoi plutôt, c'est pour Ariel jouer une entente avec Jovenel ici. Mais pour Ariel, tout pas fait tête chaude pour tendre sa moune Abdil autour de lui qui t'a remis pour le pouvoir. Parce que Ariel, si Ariel impliqué, par exemple, dans une question qui a rapport à l'assassinat du président, Ariel pas chapi. Tôt ou tard, libéral devant le juge d'instruction. Mais les ministres ont écrit pour le transférer, pour dire dossier juge d'instruction, tendez Ariel, faire tout le ça, le mettre dans la décision de départ pour lui, pendant ce temps, le premier ministre, son goût qui a fait pour rien. Moi-même, ça qui est simple, faut que je joigne justice pour Jovenel. Et faut qu'on tout comprendre. Pas dans l'élection. Ni Ariel, ni Libéris de compagnie pas dans l'élection. Libéris a soutenu Jovenel. Il a tué Jovenel. Faut Ariel comprendre que dans l'élection, Jovenel choisit. Et c'est nègre Jovenel qui fait erreur. Et c'est Libéris qui a signé même, ministre qui a signé pour Ariel. Ou Ariel est le premier ministre. Donc, il n'y a pas de dossier pour lui, il n'y a pas de consensus ou entre avec elle. C'est ça que fait Mdabdi Nego. Depuis Blanc, comme Blanc fait pression sur Claude, Kounia a été accepté, mais Kounia a la virée contre lui.